بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur, et cela a été interdit aux croyants. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leurs témoignages. Et ceux-là sont les pervers. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. À l'exception de ceux qui après cela se repentent et se réforment, car Allah est pardonneur et miséricordieux. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes. Le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah qu'il est du nombre des véridiques. Et la cinquième attestation est que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. Et on ne lui infligera pas le châtiment de la lapidation si elle atteste 4 fois par Allah que son mari est certainement du nombre des menteurs. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Et la cinquième attestation est que la colère d'Allah soit sur elle s'il était du nombre des véridiques.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Et n'était la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde? Allah est grand, accueillant au repentir, et sage. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. À chacun d'eux, ce qu'il s'est acquis comme péché, celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement? Et n'ont-ils pas dit, c'est une calomnie évidente. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leurs accusations, quatre témoins. S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah, les menteurs. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. N'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde ici-bas comme dans l'au-delà, un énorme châtiment vous aurait touché pour cette calomnie dans laquelle vous vous êtes lancé. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ceux dont vous n'aviez aucun savoir, et vous le comptiez comme insignifiant alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Et pourquoi, lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas, nous ne devons pas en parler. Gloire à toi, ô Allah. C'est une énorme calomnie. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyant. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Allah vous expose clairement les versets et Allah est omniscient et sage. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux.
ici-bas comme dans l'au-delà, Allah sait, et vous, vous ne savez pas. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, et n'eût été qu'Allah est compatissant et miséricordieux. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sachez que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Ceux qui lancent des accusations contre les femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude, et croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà. Ils auront un énorme châtiment. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Ce jour-là, Allah leur donnera leur peine et vraie rétribution, et ils sauront que c'est Allah qui est le vrai de toute évidence. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Les mauvaises femmes aux mauvais hommes et les mauvais hommes aux mauvaises femmes. De même, les bonnes femmes aux bons hommes et les bons hommes aux bonnes femmes. Ceux-là sont innocents de ce que les autres disent. Ils ont un pardon et une récompense généreuse. Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les maisons autres que les vôtres avant de demander la permission d'une façon délicate et de saluer leurs habitants.
Cela est meilleur pour vous, peut-être vous souvenez-vous. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Si vous n'y trouvez personne, alors n'y entrez pas avant que permission vous soit donnée. Et si on vous dit retournez, eh bien, retournez. Cela est plus pur pour vous. Et Allah, de ce que vous faites, est omniscient. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Nul grief contre vous à entrer dans des maisons inhabitées où se trouve un bien pour vous. Allah sait ce que vous divulguez et ce que vous cachez. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou aux fils de leur mari, ou à leur frère, ou aux fils de leur frère, ou aux fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles et impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
والله واسع عليم. Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux, et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. Et dans vos recherches des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Allah leur accorde, après qu'elles aient été contraintes, son pardon et sa miséricorde. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Nous avons effectivement fait descendre vers vous des versets clairs, donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous et une exhortation pour les pieux. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Dans des maisons, des mosquées qu'Allah a permis que l'on élève, et où son nom est invoqué, le glorifie en elle matin et après-midi. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Des hommes que ni le négoce ni le troc ne distraient de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Afin qu'Allah les récompense de la meilleure façon pour ce qu'ils ont fait de bien, et il leur ajoutera de sa grâce, Allah attribue à qui il veut sans compter. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien, mais y trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages. Ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes? Chacun, certes, a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. C'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux et de la terre. Et vers Allah sera le retour final. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages ?
Ensuite, il les réunit et il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein, et il fait descendre du ciel de la grêle provenant des nuages comparable à des montagnes. Il en frappe qui il veut et l'écarte de qui il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Allah fait alterner la nuit et le jour. Il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Et Allah a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur le ventre, d'autres qui marchent sur deux pattes, et d'autres encore marchent sur quatre. Allah crée ce qu'il veut, et Allah est omnipotent. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Nous avons certes fait descendre des versets explicites, et Allah guide qui il veut vers un droit chemin. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Et ils disent, nous croyons en Allah et au messager et nous obéissons. Puis après cela, une partie d'entre eux fait volte-face. Ce ne sont point ceux-là les croyants. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. Et quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui soumis. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Y a-t-il une maladie dans leur cœur? Ou doutent-ils? Ou craignent-ils qu'Allah les opprime ainsi que son messager? Non. Mais ce sont eux les injustes. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. La seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux est « Nous avons entendu et nous avons obéi. » Et voilà ceux qui réussissent. Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute. Alors,
Voilà ceux qui récoltent le succès. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Et ils jurent par Allah en serment solennel que si tu le leur ordonnais, ils sortiraient à coup sûr au combat. Dis, ne jurez donc pas, votre obéissance verbale est bien connue. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ Dis, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. S'il se détourne, le messager n'est alors responsable que de ceux dont il est chargé. Et vous assumez ceux dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien, et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Accomplissez la salat, acquittez la zakat, et obéissez aux messagers, afin que vous ayez la miséricorde. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Ne pense point que ceux qui ne croient pas puissent s'opposer à l'autorité d'Allah sur terre. Le feu sera leur refuge. Quelle mauvaise destination. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم Ô vous qui avez cru, que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d'entrer, ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté, à trois moments.
avant la salate de l'aube, à midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la salate de la nuit. Trois occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments, nul reproche ni à vous, ni à eux, d'aller et venir les uns chez les autres. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets, et Allah est omniscient et sage. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent permission avant d'entrer, comme font leurs aînés, c'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets, et Allah est omniscient et sage. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Et quant aux femmes atteintes par la ménopause qui n'espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d'enlever leurs vêtements de sortie, sans cependant exhiber leurs atours, et si elles cherchent la chasteté, c'est mieux pour elles. Allah est audient et omniscient. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Il n'y a pas d'empêchement à l'aveugle, au boiteux, au malade, ainsi qu'à vous-même, de manger dans vos maisons ou dans les maisons de vos pères, ou dans celles de vos mères ou de vos frères, ou de vos sœurs ou de vos oncles paternels, ou de vos tantes paternelles ou de vos oncles maternels, ou de vos tantes maternelles, ou dans celles dont vous possédez les clés, ou chez vos amis. Nul empêchement à vous, non plus de manger ensemble ou séparément. Quand donc vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah, bénies et agréables. C'est ainsi qu'Allah vous expose ces versets, afin que vous compreniez. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله
فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, et qui, lorsqu'ils sont en sa compagnie pour une affaire d'intérêt général, ne s'en vont pas avant de lui avoir demandé la permission. Ceux qui te demandent cette permission sont ceux qui croient en Allah et en son messager. Si donc ils te demandent la permission pour une affaire personnelle, donne-la à qui tu veux d'entre eux, et implore le pardon d'Allah pour eux, car Allah est pardonneur et miséricordieux. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adresseriez les uns aux autres. Allah connaît certes ceux des vôtres qui s'en vont secrètement en s'entrecachant. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'un ilayhi fayunabbi'uhum bima 'amilu wallahu bikulli shay'in 'alim. C'est à Allah vraiment qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il sait parfaitement l'état dans lequel vous êtes. Et le jour où les hommes seront ramenés vers lui, il les informera alors de ce qu'ils œuvraient. Allah est omniscient.